funérailles de Nelson Mandela hier. Ça représente quoi? C'est un modèle pour vous, Nelson Mandela? Moi, je pense qu'on peut, oui, on peut lui reconnaître quand même un parcours politique assez extraordinaire. Le fait qu'il ait accompagné cette sortie de l'apartheid, on peut le féliciter. D'ailleurs, on peut rappeler que dans nos colonies, nous n'avons jamais appliqué l'apartheid. On peut en faire une fierté parce que aujourd'hui, ce que je regrette, c'est que Nelson Mandela soit récupéré pour moi parce que j'appelle des héritiers abusifs. C'est-à-dire, ah bon, qui sont ces héritiers abusifs? Oui, des gens, si vous voulez, qui l'utilisent comme modèle politique, alors qu'en réalité, il faut exactement l'inverse. Mandela, c'est un exemple de réconciliation entre les communautés. Alors qu'aujourd'hui, les gens qui l'utilisent disent, au contraire, montrent les communautés les unes contre les autres, font reculer systématiquement la laïcité, prônent le droit à la différence contre la défense de la cohésion nationale, et je crois que ce sont des héritiers abusifs. Oui. Bah, vous prenez le droit à la différence au sein du Front National. Alors, parce que quand je lis Bruno Gollnisch, l'apartheid c'est pas si mal, le régime qui s'est le mieux développé sur le continent africain les Noirs, qui a permis aux Noirs de se développer, c'est vraiment l'apartheid. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ses propos, j'ai pas suivi précisément ce qu'il avait dit, mais bon, on peut pas se faire là. L'apartheid, c'est un ordre social totalement injuste. Ça, on est d'accord là-dessus. Après, que le pays se soit pas sorti merveilleusement bien économiquement sous Mandela, qu'il y ait encore des actes racistes, notamment d'ailleurs à l'égard des blancs et des fermiers blancs, ça c'est une réalité. Mais bon, après, on peut quand même. C'est une question de génération, d'avoir ce regard-là un peu différent. Bon, je crois pas que ce soit seulement une question de génération, mais je pense que ça me paraît évident. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que Mandela a eu un poids politique et vous croyez à l'inégalité des races? Pas du tout. Qu'est-ce que c'est que cette question? Non, mais absolument non, pas. Je vous pose cette question. Pardon, je vous coupe. Parce que votre grand-père, en 1997, a dit « Oui, j'y crois, non, c'est attendez, évident. » Je vais être très honnête avec vous. Alors, allez-y. Je ne crois pas en cela. Parce que je n'ai pas une conception ethniciste de la France. Voilà, je considère que la France est un miracle historique qui est composé de peuples très différents, de tous les pays, de tout le monde entier d'ailleurs, avec des cultures très différentes, et que le miracle de la République française, c'est d'unir dans un destin commun par les valeurs de la République, justement, des peuples qui ont des cultures, des modes de vie, des langues différentes. Des couleurs de peau aussi. Des couleurs de peau différentes. Donc moi, j'ai aucun souci avec ça. J'ai simplement des exigences simples qui sont à Rome, fait comme les Romains. Voilà, c'est tout. Mais sinon, ça ne va pas plus loin que ça et je n'ai aucun tabou de ce point de vue-là. C'est une question d'assimilation, c'est une question d'intégration. On va y revenir. Oui, mais c'est une question même essentielle. Et suite au rapport qui est sorti, on va certainement en parler. On va en parler, bien sûr. C'est un point très important, oui. Mais comment parlons-en tout de suite, alors, ce rapport. Je crois que c'est une. Alors, je sais pas si une stratégie. C'est pas un rapport d'ailleurs, ce sont des textes qui ont été mis en ligne sur le site du Premier ministre. Oui, c'est un rapport qui a été commandé en l'occurrence dans le cadre de la réforme sur justement la question de l'assimilation. Donc je sais pas si le gouvernement a voulu faire un stratagème politique comme l'UMP le décrit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une réelle provocation à l'égard du modèle républicain laïque qui est celui de la France. Mais c'est pas si, on va dire, novateur que ça, parce qu'en fait dans ce rapport, il n'y a que l'aboutissement de l'idéologie qui est défendue par l'UMP et le PS depuis des années, c'est-à-dire le communautarisme à l'anglo-saxonne. C'est ce que je vous disais, le multiculturalisme contre l'assimilation, le droit à la différence, c'est-à-dire on arrive sur un territoire, on a le droit d'importer sa langue, son mode de vie, sa culture, sans aucune concession, obtenir la nationalité, parce que voilà, c'est l'anti-modèle républicain. Vous êtes favorable à l'immigration choisie ou pas? Je pense malheureusement qu'aujourd'hui on n'a pas d'emploi suffisant pour mener ce type d'immigration. Sarkozy avait lancé le grand débat, on a vu que ça n'avait pas marché. Au Canada, en tout par cas, exemple, ou ailleurs. Ce qui est sûr, c'est que importer des élites pour des emplois très qualifiés. Oui, le problème c'est qu'aujourd'hui c'est pas du tout cette immigration-là, l'immigration professionnelle. Cette immigration choisie là. Non, mais pourquoi pas? Oui, dans certains secteurs où on a besoin. Mais aujourd'hui, l'immigration professionnelle c'est 10%. Voilà, la majorité de l'immigration c'est ce qu'on appelle l'immigration familiale à travers le regroupement familial. C'est une immigration à bas niveau socio-professionnel, alors même qu'on est en phase de désindustrialisation. C'est-à-dire que d'un côté, on importe une main-d'œuvre, et d'un côté, l'emploi qui est censé correspondre à cette main-d'œuvre disparaît. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'immigration vient grossir les rangs du chômage, créer une tension sur le marché du travail et tirer à la baisse sur les salaires. C'est ce que nous déplorons parce que l'immigration est une fin économique aujourd'hui. Alors, on va parler de l'immigration à travers les propositions faites par l'UMP. Vous avez lu, bien sûr. À propos d'UMP, je vois la petite querelle entre le PS et l'UMP. Que dit Jean-François Copé après la publication de ce rapport sur le site du Premier ministre? Le PS est dans une alliance objective avec le Front National. Vous êtes dans une alliance objective avec le Parti Socialiste, vous, au Front National, ou pas? C'est totalement ridicule. Monsieur Copé prend ses rêves pour des réalités. En l'occurrence, c'est eux qui mènent la même politique
sur un ensemble de domaines, et notamment sur l'immigration. Parce que moi, je m'amuse beaucoup de voir l'UMP aujourd'hui lancer un grand débat sur l'immigration, alors qu'ils ont été 10 ans au pouvoir. La sortie de l'espace Schengen, la suppression de l'AME. Moi, il y a quelques semaines, j'étais au budget au moment de l'AME. Je n'ai vu aucun amendement de suppression de l'UMP. Je n'ai vu qu'un retour au système antérieur, qui avait déjà prouvé qu'il y avait eu moult abus et des dérapages financiers et économiques terribles. Donc, voilà. Donc, c'est quoi? C'est du vent? Mais c'est oui, du, c'est quoi? C'est de la manœuvre politique. C'est totalement manœuvre insincère. Pourquoi? C'est manœuvre pour quoi? C'est quand même extraordinaire. Jean-Marc Ayrault dit, l'UMP a un problème, c'est son électorat qui file de plus en plus vers le Front National. Il propose le retour de la double peine alors même qu'il l'avait supprimé. Parce que la vérité, c'est qu'il voit qu'aujourd'hui, de plus en plus de Français sont en accord, notamment sur les questions d'immigration et de nationalité, avec le Front National. Donc il rattrape, il court derrière leur électorat qui aujourd'hui fuit, et de plus en plus, notamment dans le Sud-Est, on le voit, vers le Front National. Revenir sur l'acquisition automatique de la nationalité pour les enfants nés en France de parents étrangers. Bien sûr, oui. Ouais. Bien sûr, parce qu'à l'époque où ça avait été mis en place, on n'était pas confronté à une immigration aussi importante qu'elle l'est aujourd'hui. Alors, Mario Maréchal Le Pen, vous avez, je sais pas moi, un copain qui a 18 ans aujourd'hui, qui est né en France, qui n'a jamais quitté la France, qui est né en France parce qu'un jour ses parents ont fui leur pays et sont arrivés en France d'une manière irrégulière. Qu'est-ce qu'il fait? Alors moi, à l'âge de 18 ans, arrivé à sa majorité, il fait quoi? Il est sans état civil? Non, il correspond pas du tout. Il peut acquérir la nationalité par la voie de la naturalisation. Ce qu'on dénonce, c'est l'acquisition automatique. Voilà. C'est qu'il faut qu'il y ait une démarche. Il faut qu'il y ait des critères. Simplement, la nationalité, ça s'hérite ou ça se mérite. C'est pas aberrant, hein. C'est ce qui se fait dans la majorité des pays du monde. Ça ne veut pas dire qu'il y a un blocage et que quand on arrive sur le territoire de parents étrangers, on ne peut pas acquérir la nationalité. Ça veut simplement dire qu'il y a des exigences, voilà, et que c'est une démarche, quand bien même on aurait vécu longtemps sur le territoire, parce qu'on le voit aujourd'hui, le seul fait... Mais pas question de l'expulser. Il doit automatiquement acquérir la nationalité française. Marion Maréchal Le Pen, vous le voyez partir être expulsé dans un pays où il n'est jamais allé, où il ne connaît pas la langue. Il y a un risque de dérive terrible lorsque l'on mène ce genre de politique à l'égard de clandestins. On le voit avec l'AME. Donc vous le naturalisez automatiquement, ce jeune de 18 ans. Non, je ne le naturalise pas automatiquement. Il n'y a pas d'automaticité dans l'acquisition. Et s'il n'est pas naturalisé, il fait quoi? La nationalité en l'occurrence. Mais si vous voulez, le problème, c'est que quand on fait de la politique, malheureusement, on est obligé de voir un petit peu plus grand que simplement dans la dimension affective des choses. Mais il ne s'agit pas d'être on touche à quelque chose d'humain, donc forcément, il y a une dimension qui est très touchante. Mais néanmoins, lorsque l'on mène des politiques comme l'AME ou lorsque l'on crée justement des systèmes d'acquisition automatique de la nationalité, on crée des filières d'immigration clandestine. On encourage l'immigration clandestine. C'est ce qui va se faire d'ailleurs avec le projet de loi sur la prostitution. Où Madame Najat Vallaud-Belkacem, sur votre plateau, a dit que toutes ces femmes allaient être régularisées, mais c'est un appel d'air à l'immigration terrible. On encourage au jour de demain les MAC passeurs, en gros, à faire venir sur le territoire des gens parce qu'ils savent qu'une fois arrivés sur le territoire, ils n'en repartiront pas, ils auront la nationalité, ils auront tous les droits qui y touchent. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, notre modèle n'a plus les moyens de financer cela. Voilà, donc, c'est ça. Donc, le drame. Pour en revenir à ces enfants, j'insiste parce que humainement parlant, Marion Maréchal Le Pen, vous mesurez. Pour en revenir à ces enfants qui ont vécu toute l'enfance, qui ont été scolarisés en France. Pourquoi ne pas les naturaliser? Pourquoi ne pas leur donner automatiquement la nationalité française? Mais moi aussi, j'ai envie d'être gentil, d'être comme vous. Mais il ne s'agit pas d'être gentil. J'ai pas un cœur de pierre, si vous voulez, comme vous. J'entends ce que vous dites et je le comprends. Mais néanmoins, lorsque l'on est un homme politique, on est obligé de mesurer les conséquences de cela. Voilà. Quand on est un homme politique, on renvoie ces jeunes. On renvoie ces jeunes dans un pays inconnu. On peut réfléchir au cas par cas parce qu'il y a des systèmes. Aujourd'hui, le système de la naturalisation, elle pose des exigences. On peut y répondre. Mais néanmoins, on ne peut pas faire quelque chose d'automatique, de systématique, de régulariser systématiquement les clandestins, comme ça avait été fait encore aujourd'hui, mais hier aussi sous Nicolas Sarkozy, parce que ça entraîne des dérives. Voilà, avec la France, aujourd'hui, n'a plus les moyens. On a aujourd'hui 2 Français sur 3 qui ne peuvent plus qui se privent de soins pour des raisons financières. Je crois que charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ça la question. Et je vous parle de Français. Moi, je vous parle pas de question de couleur de peau, je vous parle de nationalité. Aujourd'hui, la France, au vu des restrictions budgétaires, doit d'abord s'occuper des siens, avant d'ouvrir et d'encourager le monde entier, parce que c'est un phénomène qui va s'amplifier largement, à venir sur le territoire français et à bénéficier de droits et de soins. Est-ce que nous avons besoin d'immigration en France? Bah, en l'état actuel des choses, la question se pose, parce que nous sommes... Vous dites non. Bah, je pense... Dites, on ferme les frontières et terminé. Pas d'une immigration, en tout cas, telle qu'elle est menée aujourd'hui. Je vous parlais de cette immigration à bas niveau socio-professionnel, cette immigration familiale. L'UMP propose immigration choisie. Mais en l'occurrence, cette immigration-là, non, ne sert pas, ça c'est une réalité. Après, qu'il y ait des talents, ça s'est toujours fait, hein. Il n'y a pas eu besoin non plus d'attendre le PS pour que ce soit mené, loin de là. Mais en tout cas, cette immigration-là, non, bien sûr que non. Philippe Martel, vous connaissez Philippe Martel? Oui, absolument. Qui est le chef de cabinet de
Marine Le Pen, aurait aimé que Rachida Dati et Nicolas Sarkozy donnent des prénoms français à leurs enfants. Vous aussi? Oui, je pense que vous c'est aussi, oui, oui, parce que je pense que c'est normal lorsque vous n'aurez jamais un prénom étranger à l'un de vos enfants. Non, non, je trouve que ça participe. John ou ça participe. Même si le père est américain, anglais. Ça participe de l'identité, si vous voulez. Ah, oui. Et moi, ce qui me touche beaucoup, je vais vous parler de quelque chose qui me touche beaucoup. Ça vous choque, vous? Rachida Dati appelle sa fille Zora, ça vous choque? Je vais vous parler de l'une des choses qui me touche le plus, moi, dans le modèle républicain. J'ai des amis qui sont d'origine immigrée, pas seulement européenne, mais extra-européenne. Non, ne me dites pas, c'est pour ça que je suis pas raciste. Non, parce que pas ça, du alors tout. Ça, non, je non, c'est pas ce que je veux dire, mais je veux dire, ce qui me touche le plus, c'est quand justement je vois ces familles qui arrivent sur le territoire national, qui font des enfants sur le territoire national et qui donnent des prénoms français à leurs enfants. Je trouve que c'est la plus belle preuve d'amour et d'assimilation à l'égard d'un pays. Et c'est l'une des choses, moi, que je défends et que je trouve absolument extrêmement magnifique. Mais enfin, si moi je suis sévenol ou basque d'origine, je donne un prénom basque à mon enfant. Oui, mais en l'occurrence, l'identité basque fait aussi partie de l'identité française, oui, en partie. Ou espagnole. Voilà. Enfin, bon, c'est elle est basque, l'identité basque. Mais je crois qu'il ne faut pas minimiser. C'est vrai que l'assimilation, c'est un arrachement. C'est un effort. C'est une contrainte. Ça, on ne veut pas le nier. Mais c'est refuser l'assimilation de donner un prénom étranger à son enfant. Ça y participe. Non, je veux dire, c'est un ensemble de choses. On ne peut pas réduire ça simplement au prénom de l'enfant. Mais ça y participe. Voilà. Ça fait partie d'une démarche. C'est vrai que l'assimilation, c'est difficile. On abandonne une part de soi. Mais pour devenir français, ça apporte quand même beaucoup d'avantages et beaucoup de fierté, je crois. Alors, je suis mère de famille, j'imagine. Je suis maire ça de vous famille. Irait bien. J'accompagne, merci Marion-Marie Le Pen. Je suis maire de famille, j'accompagne mon fils, ma fille et sa classe lors d'une sortie scolaire. J'ai l'habitude, dans la rue ou chez moi, de porter le voile. Je parle même pas du niqab. Je parle de porter le voile. Et la loi me l'interdit. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une discrimination? Non, parce que faut savoir qu'on a souvent tendance à ramener la loi, justement, sur l'interdiction des signes ostentatoires dans le milieu scolaire à l'islam. Mais ça s'applique au voile islamique, mais pas seulement. Ça s'applique aussi à la kippa. On parlait souvent de l'islam au Front National. Au sikh, le turban sikh, aux croix chrétiennes. Donc ça n'est pas quelque chose qui a vocation à discriminer les musulmans et à rejeter les musulmans. Ça, c'est un peu un leurre. Hein. Non, je crois que la cohésion nationale, elle passe par la laïcité. Et dans le milieu scolaire, je crois que c'est justement l'endroit où il faut le plus la préserver. Moi, je suis terrifiée de voir, comme on l'a vu dans le rapport, des propositions pour revenir sur cette loi qui pour moi est la base de la cohésion nationale. Voilà, on n'a pas à afficher, à imposer aux autres ses convictions religieuses dans un cadre qui est censé être neutre et pas un cadre de prosélytisme religieux.